Nous allons, mesdames et messieurs, découvrir le jeu Grounded. Alors, le but de Grounded, c'est un jeu apparemment où on va devoir faire des choses, on va devoir survivre, on va devoir faire des trucs, mais apparemment, nous avons la taille d'une petite fourmi. Et le reste, ben, ce sera à la taille normale. Donc en fait, on va devoir essayer de... Je ne sais pas, on va voir. On va voir un peu ce qu'il en est. Press any button. The title is pre-release software. Donc évidemment, c'est une démo, donc on le sait. Il peut y avoir énormément de changements lorsqu'il va, sortir. Et si je ne dis pas de bêtises, il va sortir en version complète le 17 juillet, je pense qu'il est annoncé. Il est annoncé pour le 28 juillet. Et je trouvais sympa le principe de se dire... qu'on va changer un peu les perspectives en soi, où tout va nous paraître super grand, il va peut-être falloir qu'on fasse autre chose. Alors apparemment, il y aura des araignées qui seront bien souvent plus grandes que les joueurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez mettre le mode arachnophobia dans les options du jeu. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas les araignées. Malheureusement, je pense que c'est un des ennemis du jeu qui est quand même assez important, donc on va le faire. Et je suis un peu désolée, hein. J'enlève déjà tous les serpents, je peux pas en plus enlever toutes les araignées sur le jeu. Ça n'aurait pas de sens. Alors, est-ce que le son du jeu est bon? Ça m'a l'air pas mal, le son du jeu. Allons voir. New game, s'il te plaît. Alors, on peut choisir nos... Ah, je choisis. Alors, c'est eux, forcément, j'imagine. Donc on va avoir des variables de scénario. Et alors on peut choisir le personnage. Bah, elle, je l'aime bien, allez. Ou elle? Non, elle, je l'aime bien. Elle a une tête de gagnante. Ouais, elle, allez. Elle a une tête de gagnante. On n'a pas l'air de pouvoir changer, hein. Non. Hop là. C'est bien qu'ils aient pensé à ça. Ouais, je trouve ça super sympa. Mais ça se voit de plus en plus dans les jeux... On avait Satisfactory qu'il propose, on a Green Hell qu'il propose, enfin, de retirer les araignées, les serpents et ce genre de choses. Celui-ci qu'il propose, donc c'est vrai que c'est pas mal. Well, alors il est en anglais. Peut-être qu'il sera disponible en français, mais en tout cas pour le moment il est disponible qu'en anglais. Je vous ferai un petit peu la traduction, hein, y a pas de soucis, si jamais j'ai le temps de lire. J'ai pas eu le temps. Wow. Par contre, c'est pas super fluide, hein. Jump. Ah, QWERTY. Ok. Donc on a une barre de faim, une barre de soif. Soif. Bien sûr. C'est trop géant. Une balle de baseball. Ça vous donne une idée de ma taille? Ah, on a une demi-heure de jeu. Point. Bon ben au moins comme ça on sait combien de temps. Ok. Track the signal to its source. Donc apparemment on doit aller là-bas. On va on va se balader un petit peu. On va pas force. Whoop. On va peut-être pas passer près des araignées, hein. Require shopping tool. Ok, plant fiber, on peut ramasser. Ok. Oh, il y aura du crafting et tout. Open money inventory. Ok. On peut se faire quoi? La plant fiber. On peut se faire un bandage. Et avec le zap, bandage. Ok, craft, natural resources. Inventory. Donc apparemment, on a vraiment que les plant fiber pour le moment. On va pouvoir se mettre des choses. Une armure, apparemment. Et on va pouvoir avoir des attaques spéciales. Extraction. Drop. Très bien. Donc craft. La map. La map a l'air d'être super grande quand même. Vu notre taille, à mon avis, tout va nous paraître super grand. Vous voyez, c'est 30 minutes, c'est pas beaucoup. Et donc on doit apparemment... Regardez autour de nous ce qu'on peut trouver. Bah, trouvons autour de nous ce qu'on peut trouver. Ok.
suis peut-être partie vite à l'aventure sans me soucier de ce que je pouvais trouver autour de moi. Hein. On va peut-être... Ok, on a un caillou. Pebblette, new crafting ideas. Ok, tab. Et on a quoi dans le craft? Donc il nous faut... Pour faire une spire, il nous faut des sprigs. Donc les petites pousses qu'on a vues. Il nous faut des plant fibers et on a le caillou. Donc ça c'est bon. Dans les armes. Dans les soins, on aura les bandages. Ici, on pourra manger. On pourra se faire un feu de camp, apparemment. Trop fort. Et alors là, plant fiber. Et ça, c'est les ressources qu'on trouve. Donc il faudrait qu'on regarde autour de nous si on trouve des petites choses qu'on pourrait ramasser. Et regardez, elles sont un peu... on dirait qu'elles... oui. Vous voyez, elles sont un peu... avec une petite lumière autour d'elles, si on peut la ramasser. Ok, donc on pourrait l'acheter éventuellement. Ah, c'est ça qu'il nous faudrait. Et est-ce que je peux utiliser ça pour... Non, on peut pas. Ok, donc R, on lâche. Et j'ai besoin de ça. Ah, je peux ramasser et garder ça à la main. Ça m'a l'air super grand ce que je ramasse en soi. Ok, est-ce qu'on peut scrafter la spire ou pas? La musique va pas trop fort pour vous? Ok. Si quelqu'un peut mettre le lien du jeu dans le chat, s'il vous plaît. Je crois que j'ai des modos qui sont là et qui, si on leur demande, vont gentiment vous le mettre. On va faire notre premier combat. Une hache. On n'a pas encore la hache, hein. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir vu une hache, le craft d'une hache. Je crois pas, hein. Non, je crois pas. Quoi, vous avez banni Kiki. Plant fiber, ok. On a retrouvé un jabicola. Et donc R pour jeter la... D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout au ban pour les URL. Oui, malheureusement, il faudrait qu'on change ça. Est-ce que tout est méchant? Parce qu'en soi, lui, là-bas, il est pas super méchant aussi. Oh, regardez! On a un campement, là. Ok, ça, on va garder. Oh! Objet invalide. Alors, apparemment, on a droit à 3 analyses. Ok, donc, admettons, on analyse. Ça va nous faire quoi? Alors, analyse complète. New recipe. Ah, donc ça nous a trouvé des analyses en fonction de... Continue. Je suis désolée, hein, les gens. Je vais essayer d'avancer sur le jeu, qu'on n'a qu'une demi-heure. S'il se passe des choses, il faudra essayer de faire sans moi. Vu ta taille, tout est méchant. Bah, tu crois? Une araignée. Ah, ça y est, là, on a la hache. Une coccinelle, tu vois que c'est méchant? Pauvre Kiki, mais il y a des modos qui vont... qui l'ont débanni. Alors attendez. Parce que là, je crois qu'il y a un truc qui... Oh, on a la hache. Je crois que j'ai vu une hache. Qu'il nous faut ça. Et ça, il nous faut quoi? Il nous faut ça. D'accord. Et ça, on l'a comment? Des plaines fiber. On en a pas beaucoup. On en a que deux. Ah, oh, zut. Ok, plain fiber. Là, il y a des plain fiber. Là, il y a des plain fiber.
On doit trouver de l'eau. Méchant ou gentil? Il a pas l'air d'être si méchant que ça en soi. Craft? Ça a pas l'air. Ça va? Et alors, on pourrait se faire... ça, mais il m'en manque... ah, il manque un caillou. Un caillou. Il y en a partout des cailloux. Par contre, les cailloux, on est d'accord que les cailloux sont si gros que moi? Craft une équipe, hein. Et la hache en 1, s'il vous plaît, bien entendu. On peut changer ça? Mais oui qu'on peut changer ça. Mais c'est génial qu'on peut changer ça. Durabilité sur les outils, apparemment. On va aller par là voir. On ramasse un peu ce qu'il y a sur le chemin. Elles ont pas l'air de m'attaquer. Elle avait pas l'air de m'attaquer tout à l'heure, hein. Donc, ok, on a de l'eau. Mais on est vraiment chez les mini-pousses, quoi. On a vraiment des... ah non, j'allais dire, on a vraiment des bâtiments faits pour nous et tout ça. Nous, les mini-pousses. Mais c'est trop fort. Ok, investiguer the mysterious machine. C'est fait. Et faut que je fasse quelque chose? Je voudrais regarder si je peux attraper des champignons là-bas. Parce qu'il va falloir que je mange aussi à un moment. You can eat. Ok, d'accord. Ça, on peut le manger. Et est-ce qu'on pourrait vite essayer de se faire ça là? Dry grass chunk. Alors ça, je sais pas comment on le fait. Et 4 pierres. Alors attendez, il y a un chemin là-bas. Il y a un moyen de passer ici au-dessus, je crois. Quoi? Alors attendez, quoi? Why couldn't they have done something? Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire quelque chose qui ressemblait à mon basement? Donc apparemment, il y a ça. Alors faudrait couper, à mon avis, cette feuille-là. Alors toi... faudrait faire ça, je crois. Hein. Y a on a l'air que la lumière passe à travers la feuille. Enfin, la feuille empêche la lumière de passer. Ok. Et là-bas, ça a l'air d'être... ok. Ben, je fais quoi... je fais quoi avec ça? Bon, on va dire qu'on va mettre ça là. Ah, mais elle est énervée, la petite madame! Faut tamer les souris. Je suis pas certaine qu'on sache faire ça. Alors, à mon avis, on a trouvé l'eau... et il faut boire un petit peu. Je suis tellement pas en train de suivre le tutoriel. Il faudrait peut-être que je suive un peu le tutoriel. On va appuyer sur E pour un peu. Ah, je crois que je suis un peu malade. Je crois que je suis un petit peu malade. Mais ça a l'air d'être pas mal. On peut manger le mushroom. Attendez, mushroom. On va le mettre en 6. On va le manger comme ça. Et ça, est-ce qu'on peut... regardez la coccinelle, comme elle est jolie! Par contre, il faudrait que je trouve les trucs pour se faire un feu de camp, parce que je peux pas boire ça. Comment est-ce qu'on... ah, je trouve ça trop génial! Il y a des trucs là-bas plus loin, on va aller voir un peu plus loin ce qu'il y a. L'aide, l'eau propre. Bah ouais, mais non, c'est pas de l'eau propre. Ou alors j'imagine qu'il faudrait peut-être essayer de récupérer l'eau pour... Zap.
Ok. Alors attendez, là il y a des feuilles qui sont mortes. C'est rien faire avec. Faudrait récupérer. Si on veut se faire un feu de camp par exemple, où est-ce qu'il serait? Cantine avec de la peau. C'est-à-dire qu'il faudrait que je tue quelqu'un. On pourrait se faire des murs. Oh, on peut se faire des bases. Oh mais trop fort. Attendez, je veux poser un sol. Je trouve ce jeu génial. Je suis désolée, hein, mais quand il sort, on le fait. Hein. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, on le fera. On le fera en multi, mais... C'est moi où les secondes du jeu passent très très vite. Oh, elles passent trop vite. Elles passent trop vite. Alors, le problème, c'est que... Admettons, on fait notre base. Il y a de l'eau là-bas, donc il faudrait faire sa base ici. Alors attendez, si on la met là. Ah! Ok, d'accord. Très bien. Bon, on va pas passer son temps à faire de la construction. Je voulais voir à quoi ça ressemblait, mais on n'aura pas le temps. On va visiter un petit peu et tout. On verra bien. Au pire, si on meurt, mais... J'aurais bien voulu essayer de faire, c'était le feu de camp. Mais pour le feu de camp, il nous faut... Donc ça, on sait ce que c'est. Mais ça... Dry grass chunk. À moins qu'on sache... Ah... Et comment est-ce qu'on le craft, ça? On doit le trouver par terre, je crois. Il sort quand? Fin juillet. Le 28 juillet, je crois que j'ai dit tout à l'heure. Ce serait plutôt des trucs morts. Attendez. Et si, par exemple... Ça, là. Ah, attendez. On peut peut-être casser ça. Oui, regardez, on en a là. Ok, nickel. Nickel. Et donc, est-ce qu'on a pour se faire son feu de camp? On en a un, il nous en faut trois. Là-bas. Si je casse ça, on a quoi? Je peux pas. Ça là? Ouais, on peut. On a un là et un là. Donc on aurait à la limite pour faire nos feux de camp, faut qu'on trouve des petites pierres. Évidemment, on en a trouvé partout des petites pierres. Vous verrez qu'on n'en trouvera plus maintenant. Coucou toi! Je me trouve trop mignonne. Zap, on prend. Alors je sais pas si par exemple on a un temps illimité. Ou si... Là, je suis vraiment pas le tuto au final en me disant « Bon, bah ça sert à rien parce qu'on n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit. » Mais si c'est une aventure, si on peut prendre tout le temps qu'on veut, ou... Ok, donc on n'aurait rien à cuisiner. Est-ce qu'éventuellement, je pourrais cuisiner les mushrooms? Non, on n'aurait rien à cuisiner. Très bien, mais les mushrooms, je peux les manger comme ça, apparemment. Les cantines, pooch, scooping and carry around. Il faudrait de la peau, donc à mon avis, il faudrait tuer des trucs pour ça. On pourrait se faire des torches. Ah, peut-être jour et nuit, du coup. Et ça, ça me dit, voilà dans quoi ça est utilisé. Oh mais il a tué le machin! Mes saletés! Bon, quand il restera 2-3 minutes, on y tuera... Il m'a donné ça? Il est venu me déposer ça? T'es sérieux? Bah, en même temps, il mange des pucerons. Bah ouais, c'est logique, hein. Les araignées, ça mange des pucerons. Faut trouver un insecte velu. T'es sûr que tu veux qu'on trouve un insecte velu? C'est quoi? Ice caps. Oh, c'est des petits. C'est des tic-tac. Attendez, on peut ouvrir? Oui, on peut ouvrir. Apparemment, je me demande s'il faut pas un truc de niveau 2, une hache de niveau 2.
Ouais, ils me disent qu'il faut... Oh, il y a une goutte d'eau, là. Il y a une goutte d'eau qui se boit, à mon avis. Et comment je vais la chercher? Ok, donc ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va essayer d'aller chercher l'eau qui se boit pour voir un peu comment ça fonctionne. Je crois qu'il faut l'attraper au moment où elle tombe. Quoi? Oui! Sérieux, c'est bon. Oh, génial. On est trop fort. Par contre, on a faim. Donc on va manger. Très bien. Et apparemment, il faut trouver ce qui abaisse un des lasers. Bon, on s'en fout un petit peu hein, pour le moment. On va se balader pour les minutes qui restent. Ok. J'aurais voulu savoir s'il était possible de... Build a lean-to. Une tente. Cloverleaf. C'est ça? Ça a l'air d'être... Mais je suis sur un cimetière d'araignées. Mais les pauvres araignées. Mais les pauvres araignées. Et on récupère quoi? Oh! Des parties d'araignées. Oh, quelle horreur! Ok. Donc admettons un côté. J'aurais voulu trouver comment il fallait trouver de la peau. Bah je pense à mon avis il faut tuer un truc hein. Et on peut tourner. Ça c'est sympa par contre. Appuie sur E pour le construire. Et là on pourrait dormir dessus. Ah sympa. Respawn point 7. Nickel. Donc si jamais on vient à mourir c'est là. Et... est-ce qu'on aurait... On va avoir le petit truc qui va rester. Donc ça pourrait marquer un petit point. Si on veut chevaucher les fourmis et faire du 4x4. Je suis pas certaine que ça fonctionne. Bjork. Ah, on peut faire des flèches avec ça. Et un chapeau de mythe. Ça me fait trop penser... Le chapeau de mythe, ça me fait trop penser à... Comment ça s'appelle? À... Dofus. Par contre, elle, je pense qu'il va falloir la tuer à un moment donné. On verra bien. Alors, qu'est-ce qui weakened le laser, là? Je sais pas ce qui... On va leur aller jusque là-bas, voir. On va aller voir. Peut-être des choses qu'on va découvrir sur le chemin. Oh, c'est quoi ça? Oh, attends, attends, laisse-moi sortir. Je veux voir c'est quoi... C'est quoi ça? Faut couper ça peut-être? Ouais, je peux pas en fait. Ah, ça me dit pas ce que c'est ça. On trouve des champignons. Voilà, il y a plein d'eau. Et le laser, il est là. Faut qu'on trouve des champignons pour manger. Ce serait un peu bête de mourir. Hé! Hey saleté là! Oust! Ah! Je crois que je suis attaqué par une colonie de mythes. Au secours! Meurs! Ok. Je ne mourrai pas une mythe qui va me tuer, non mais tu te calmes.
Donc apparemment on a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce que... Ah oui, saleté, va. Mais... Ah. Crafter une torche. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée pour qu'on voit quelque chose. Mais on ne peut pas, parce qu'on n'a rien pour la crafter la torche. Et je crois qu'il va falloir aller là-bas, hein. Si le jeu est bien fait, on doit avoir dans les environs ça, on doit savoir faire trouver ça facilement. Et elles ont un radar, on en a attaqué une, elles ont passé le message à la radio qu'il faut nous tuer ou quoi? Ok, donc ça m'a l'air d'être pas mal. J'ai tellement pas envie que ça se finisse! J'ai tellement pas envie que ça se finisse! Ok. Est-ce qu'on peut... On peut chop ça du coup? Ouais, on peut chop ça. Vas-y. On a une forêt ici de dry machin, donc ça c'est sympa. Il nous faut quoi ça? Et ça je sais plus comment on les avait, les woven fiber. Woven fiber. On les trouvait comme ça dans la nature, non? On les craftait nous-mêmes? Ah non, on les craft là. Il nous en faut 3. Ok, torche. Vite, vite, vite. Torche. On va mourir de faim. Craft une équipe. Ok. Une fois mangé. Où est-ce qu'il y a des champignons ou des trucs à manger? Champignons. Ou des trucs à manger. Par contre, ça prend beaucoup de vue sur... Sur l'écran, je trouve la torche, l'épée, enfin l'arme et tout ça. Oh. Là, des champignons, il y en a là. Voilà. Allez, vas-y, mange. Mange. 5 minutes, mais oui, j'avoue, c'est trop court. Alors, je sais pas si... Quand on redémarre, est-ce qu'on peut redémarrer mais à zéro? Ou pas? Non, pas la frapper elle. Pardon, fourmi. Pardon, excuse-moi, chouchoute. On va aller voir ça là-bas. On va s'enfoncer dans les profondeurs. Ramasse. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a encore une. Mais... Oui, enfin, en même temps... Il y a encore apparemment des petits bugs, hein. Mais bon, ça va. C'est pas non plus... Ok. C'est quoi? Slime mold. Oh. Et on va pouvoir miner. Allez, on a besoin de toi, on peut miner. On ramasse tout. Il te reste 4 minutes. C'est pas grave, on ramasse tout. Ouais, mais elle est là en fait. Mais... Est-ce qu'on peut mourir sur ce jeu, au final? J'imagine que oui. Qu'est-ce qui... Ah, faut vraiment monter en soi. Tout au-dessus. Est-ce qu'on peut monter tout au-dessus? Est-ce qu'on peut monter tout au-dessus? Ah mais trop fort! Ok, nickel. Oh,
Pas de vie sur la torche? Si, il y a une vie sur la torche. Faut faire un petit peu attention. Inventaire full. Oups. Oups. Coupe pas les câbles, sinon tu vas perdre la collection. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a fait ça? Et est-ce que je peux couper... Attendez, je veux couper ce truc-là. Je veux couper ce truc-là, là. Pour voir si ça va faire tomber plein de... Ça. Non. Prends ta hache et coupe ça. Ça coupe. Ça prend du temps, mais ça coupe. Et est-ce que... On peut récupérer les petites graines qu'il y a au-dessus? Oui! Oh! Oui, on peut les récupérer! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis fait attaquer par quoi? Mais... Quoi ça? Ok, donc c'est là. Très bien. Et maintenant, on peut faire un truc, là? Activate! Ok, je crois qu'on a fait... Ah non! Vous avez atteint la fin de l'histoire du contenu accessible juste maintenant. Feel free to explore... Ah, on peut continuer à explorer, à crafter, à build et à survivre. Ce n'est juste que le début. Il y aura plus dans l'histoire qui arrivera le 28 juillet. Merci d'avoir joué. Ah, ça fait sympa. Et donc, on pourrait continuer? Ouais, mais il me reste 50 secondes. Sympa, mais si c'est ils te vendent le truc, mais allez-y, continue et n'hésitez pas à faire tout ce que vous voulez et tout. Il te reste 50 secondes. Merde. Ça c'est quoi? On va vite explorer tout, hein. Tant pis, 30 secondes, on va pas s'inquiéter de manger et de boire. Ouais, sauf s'il y a à boire là. Ça a pas l'air d'être très très propre, ça, hein. Je vais trop voir ce que c'est. Ok. Non. Eh, viens. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je crois que j'aurais préféré que ne pas avoir la démo en fait. Ah, je suis trop dégoûtée. Mais non. On peut retourner dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne dessus, on essaye de voir d'autres trucs. Le problème c'est que... Coucou toi. Oh, je les trouve trop mignonnes, les fourmis et tout. Si on essayait d'aller, je sais pas moi, dans une autre zone du jeu. Ah! Ah mais on est déjà on est dans cette zone là, ok d'accord. On va pas déjà attaquer les trucs. On va prendre à manger. Quoi, il m'attaque? C'est sérieux? Ah mais oui, il m'attaque! Ah mais méchant! Bon, apparemment les fourmis sont mes alliés. Des autres trucs pas. C'est quoi qui fait blop?
Ok. Méchant comme une tailleuse, j'avoue. J'avoue. On va prendre un peu tout ça, comme ça on n'aura plus à s'en inquiéter. Oui, ok, d'accord. Faut que, apparemment, si tu fais pas quand même ce que je te demande, il y a un moment où il te bip bip bip, vas-y, fais ce que je te dis. C'est pas grave. En soi, c'est pas trop trop grave non plus. Et admettons, est-ce qu'on peut analyser d'autres choses? C'est ça qu'elle avait tout à l'heure, l'araignée. Armor glue et stuff meat. Ok, très bien. Pourquoi pas. C'était quoi qu'on avait analysé pour avoir la hache? C'était ça, je crois. Et comment on se fait après pour remettre ici, en fait? Et toi? Next recharge. Ok, 9 minutes. D'accord. Next recharge, très bien. Et donc maintenant dans notre craft, on peut se faire la, on peut toujours se faire la spire. On va la craft. On peut pas faire ça. Ok. Et on n'a pas les plain fiber. Ok, on va récupérer les plain fiber et tout ça. J'aimerais bien essayer d'aller voir la bouteille de soda. On l'avait vue, je pense. On va essayer d'aller explorer de l'autre côté. Voir un peu ce qui se passe. Là-bas, il y a l'air d'avoir un carton, quelque chose. J'imagine qu'il va y avoir comme des zones de difficulté où notre spire, elle sera pas suffisante et on devra faire des trucs en plus pour des armures, j'imagine, vu qu'il y a des armures. J'aime pas que... Je sais pas pourquoi. Je trouve pas ça une bonne de bon augure. Le fait que... Ah, on peut se faire des flèches. On a toujours pas trouvé comment on faisait ça du coup. Mais avec ça, on pouvait se faire... On peut... En coop, je doute que ce soit le même principe, c'est à savoir comment passer d'une zone à une autre. Ce sera le même principe, hein. Sauf que à la place de... À la place d'avoir... tu vois, tu peux prendre 4 personnages et... Alors, je pense que nous allons tomber sur une araignée, hein. On va aller voir ça, mais... Oui, oui, alors là, ce sont des assez grosses araignées, hein. Donc, soit Kiki, elle ne regarde pas. Vigos. On a l'air d'être dans une zone différente hein, quand on va par là. On va essayer de faire un duel avec l'araignée pour voir. Hein. Et...
Il y a toujours des petites bébêtes qui nous tournent autour, hein. Alors, on est plutôt dans une zone assez désertique, hein. Est-ce qu'on peut aller vers la maison? Attendez, on va essayer d'aller vers la maison. On va prendre comme objectif la maison. Ah, ok, d'accord. Bon, on a trouvé des trucs secs. Parce que j'ai pas trouvé des couleurs mauves là-bas. Ah si, là-bas, il y a des trucs mauves. Et on peut pas. Ok, si, on peut. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que tout se fait en dehors de la maison? Ou est-ce qu'on va pouvoir faire une partie dans la maison? Ouais, les araignées, sont, les fourmis sont un peu partout. Ouais, il y a les chardons. J'imagine que ça, on va pas pouvoir s'en... Ah si, on peut! Shopping tool. Bah, on a! Ah, on a récupéré les needles pour faire les flèches. Alors ça, c'est bien. Par contre, comment est-ce qu'on les lance? Ah, regardez, oui, bien sûr. Très bien, donc là, on a pour faire les flèches. Craft. Comment on fait l'arc? Mes perruques! Ouais, faudra que j'en mette. Comment est-ce que... Oh! Comment est-ce qu'on fait l'arc, surtout? Ah non, c'est ça la question. Faudra, à mon avis, analyser pour avoir l'arc. On peut monter là-dessus? On peut monter là-dessus. Oh, trop fort. Quoi? J'ai soif. Je suis pas certaine qu'on peut aller dans les bâtiments. Faut sûrement au moins une corde pour l'arc, ben ouais, j'imagine. Me dis pas qu'on peut venir jusqu'ici et que ça sert à rien. Il doit y avoir... Alors là-bas, il y a du jus. On va essayer d'aller chercher le jus après. Oh, ah non! On va aller voir le jus. Je voulais pas tomber, en fait. Ah d'accord. Je pense qu'on est dans une zone où... où il fait pas bon vivre. After dying, you will respawn at your last... Ok, d'accord. Donc là, c'est où on a safe. C'est pas trop grave. On a safe nulle part, du coup. Et on avait été... Alors là-bas, il y a une boîte de jus par là. Ah, mais ça met où on est mort. Ah, sympa, ça, par contre. Vos items précédents, ouais, ok. Je pense que l'arc, on doit... Wop, hop, 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 hop. La punaise, je suis pas certaine que ce soit gentil. Hein. Alors la punaise d'eau hein, sur Animal Crossing, tu la pêches easy, hein, mais... Attends, laisse-moi sortir de là. C'est où? Mon stuff, il est où? Ah, là-bas. Ah mais ouais, mais... Je crois qu'en fait, c'est une zone dans laquelle je peux pas aller. Je crois qu'on va mourir si j'avance dedans. Non? Ouais. Je crois que c'est... Va pas trop loin, petit padawan. C'est pas la zone de la démo. Tu te débrouilles avec ce que tu as déjà. Je pense que c'est un truc dangereux. Ou alors, il nous faut peut-être une armure pour aller jusque-là. Ouais, du coup, on a perdu nos items de début. C'est pas grave. J'ai l'impression que par ici, c'est la même chose. On est sur des zones très... vert, un peu le vert, comme ça, de l'insecticide. Ouais, je pense. Ça doit nous affecter, nous aussi, du coup.
va se balader pour le moment. Voir un peu ce qu'il y a en dehors de la zone. Et à la limite, après, ce qu'on fera, c'est refaire une partie où on essaye de tuer tout ce qu'on passe, tout ce qu'on trouve. Voir un peu la difficulté des ennemis. Mais quelle idée de faire ce genre de choses en stream aussi là-bas ? Mais, vous croyez qu'ils étaient en train de faire ce que je pense qu'ils étaient en train de faire ? Est-ce qu'on peut aller sur au pied de l'arbre ? Parce qu'on était là-bas. Est-ce qu'on peut aller voir l'arbre ? Vous croyez qu'ils étaient en train de faire ce que je pense qu'ils faisaient ? Non. Non, ils oseraient pas faire ça en stream. On est d'accord. C'est énorme quand même, hein ? Oh, et ça c'est quoi ? Là-bas, il y a un truc. Si j'arrive à bouger, là-bas, il y a un truc. Faudrait que au minimum que je me fasse une petite spire, mais... Ah, c'est pas gentil. Apparemment, il y a un son pas gentil. Et là... Hop là! On peut donc marcher sur les... Sur les feuilles. Il y a un chien qui ronfle dans le garage, dans le jardin peut-être ? Calvacan. À mon avis, Et est-ce qu'on peut boire ça ? C'est propre ou... Non, c'est pas propre. À mon avis, il y a des... Faut trouver toutes les canettes ou un truc dans le genre. Ça nous fait une petite... Une petite alerte quand on la trouve. Ouais, mais toi, t'es pas gentil. Donc je vais pas sur toi. On va prendre un caillou comme maman, au cas où. C'est pas ça qui va me sauver, mais... J'ai envie d'avancer près de l'arbre. Pas envie d'aller... D'aller où il y a de la nourriture. J'en fous, au pire on meurt, mais... On peut aller sur la tige ? On peut aller dans l'eau ? On peut aller dans l'eau. Oh, sympa. On dirait une niche de chien. C'est génial. ça va, te noie pas, t'as une... Ah mais c'est parce qu'il a soif en vrai. Je peux pas sortir de l'eau. Je peux pas sortir de l'eau par là. On va regarder par là, il y a des feuilles. La musique par contre est assez stressante je trouve. Et tu as tombé sur une lame sur 30 mètres, je vois. Ça va, si c'est une Layla, on est tranquille. Donc faudra parier qu'il y aura une partie du jeu qui va se faire dans l'eau, du coup. Ok, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a l'air d'avoir des toiles d'araignée. Oh, il y a l'air d'avoir des petits trucs roses, là. Alors, à votre avis, comestible ou pas comestible ? Oh, nectar ! Alors, on va essayer.
À boire ou à manger? À manger. Vas-y, mange. Mange, 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 mange. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y en a encore un là, vas-y, prends-le. Et c'est quoi qui donne du nectar? C'est la fleur là? Et ça c'est quoi? Un nectar mauve, vous choisissez, hein, goût framboise ou goût mûr. Ah, ici en fait il y a énormément de trucs à manger, donc ça c'est sympa. C'est un bon coin ici, par contre... ça a l'air d'être un peu blanc. Tu as un mini moi. Oui c'est ça! On est un mini pouce. Musique. Il y a un ennemi quelque part. Oui. Et tu te croqueras, elle te croquera comme un bourdon. Ouais, peut-être. Vu l'aptitude, elle est là d'attraper les mouches. Il y a peut-être moyen que je m'en sorte. J'aurais bien voulu aller voir l'arbre, mais... Build a shelter. On va essayer de faire le tour pour voir par là ce qu'il y a. Je suis pas certaine que par là, il... Au moins qu'il nous fasse passer par les feuilles. Oui, 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 on l'a déjà fait, en fait, ton lean-to, là, mais... on veut juste découvrir un peu. Il y a peut-être moyen de passer par les feuilles, du coup. Vous croyez qu'il y a des poissons dans l'eau à un moment donné? Style, vous savez, un truc... Qu'est-ce qui est petit en poisson qui pourrait vouloir... qui pourrait être dans... Parce qu'un koi, ça va pas être petit. Ça va juste vers... un kilomètre de long, vu notre taille. Ah, ça, je voudrais voir ce que c'est, ça. Attendez, ça là-bas. Boîte de jus. Oh, ça c'est quoi? Oh, il y a des champignons. Oh, il y a plein de trucs qu'on connaît pas ici. Oui, oui, oui. Apparemment, il a pas l'air d'aimer dans l'eau. S'il y a des poissons, c'est que t'es là-bas. Oui, j'avoue. J'avoue. J'aimerais autant pas, hein. En soi, si je pouvais éviter de les appâter, ça m'irait très très bien. Alors, on peut peut-être marcher sur la branche, là, pour remonter. Vas-y, tu peux faire. Non, je suis sortie de l'eau là. Stop. Stop, 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 stop. 10 minutes d'accès, mais ça va tellement trop vite. Ça va tellement trop vite. Champignons, ok, donc ça c'est un truc à manger. Et est-ce que... Non, je peux pas casser ça pour plus de champignons ou des trucs dans le genre. On ira voir sous l'arbre après. Où Sanders, comment vas-tu? Ah, de la viande! Qu'on pourrait cuire! Alors, ils ont des chalumeaux en fer, hein, quand même. Comment est-ce que... On peut pas rentrer dedans, je crois que c'est juste... c'est juste un truc à retrouver... bon, il y en a un là, hein, mais... Ah, c'est du miel! Je pense qu'il faudrait garder et aller faire analyser les trucs, mais on n'a pas... On n'aura pas le temps de faire tout analyser. Alors attendez, il y a un truc que j'avais voulu voir... Ah, mais je crois que c'est une canette. Et ça, c'est quoi? Des pétales de fleurs. Oh! What?
Ah non, j'ai cru que ça m'avait fait faire un bon. Elles ont pas l'air d'être méchantes, les araignées, hein. Bizarrement parlant, elles ont pas l'air de m'attaquer. Les araignées vertes, par contre, oui. Coucou, alien. Oh. Regardez. Je fais la taille d'un gland. Trop fort. Certaines qu'on peut manger un truc là-dedans. Ce serait sympa. Ouh, et ça, c'est quoi? Oh. Ah, et oh. Il y a des trucs sous terre. Bizarre, hein? Regardez ça. Ok, je voudrais aller voir la lampe. Est-ce qu'il y a moyen d'aller... Hop là! Buvons. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'aller voir la lampe? Et est-ce qu'on peut... Il y a l'air d'avoir un chemin en tout cas pour y aller. Peut-être qu'il va falloir venir par ici. Il y a vraiment un chemin pour venir jusque là. Hein, donc est-ce que ça a à voir à faire? Plus tard peut-être. Il faudrait garder pour analyser tous ces trucs-là, mais nous, on pourra pas. Malheureusement. Là... La... Non, on va pas là-bas. La colline des fourmis abandonnées. D'accord. Ici, il y a l'air d'avoir plein de trucs. Field Station. Oui, je sais, tu veux que j'aille par là, mais... Moi pas. Oh, regardez-moi l'araignée, là, dites. Yeah, on peut pas. Est-ce que... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un clou. On peut remonter avec ça. On peut remonter avec ça. Oh, mais si l'araignée, elle m'oublie, ça me va, hein. Oui, ça nous va très très bien si elle m'oublie, l'araignée. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'aller visiter, vite fait? Est-ce qu'on essaie d'aller vers la maison? Il reste quoi? Il reste 5 minutes. Allez, on va essayer d'aller vers la maison pour voir si par là on peut y aller. Je crois qu'il y avait un endroit où on pouvait pas, mais j'ai aucune idée. On a tellement tourné en rond, je sais plus si c'est le même ou pas. Ouais, on est déjà passé près du berlingot là, je crois, non? Ah non! Oh, c'est de l'eau sale, ça. C'est de l'eau sale aussi. On a l'air d'être déjà passé par ici, hein. Puisque... Ça a l'air d'être de l'eau propre, par contre. On a notre sac par là. Je crois qu'on revient vers notre point de départ, là. Il reste 4 minutes. Si on essayait de voir si les araignées sont gentilles. Non ! Non ! Elles ne sont pas gentilles. Et vu la taille, on va partir, hein. On part en courant. On part en courant. Oh, il y a quoi, là ? Oh, est-ce qu'on perd l'aggro à un moment donné? Je crois pas. Oh! Oh, ces fleurs-là, elles sont sympas! Oh! On peut pas, on n'a pas. Je voudrais essayer, on peut aller vers la maison. Ah oui, apparemment, l'araignée, elle m'avait perdu, mais elle m'a retrouvée. Donc, on court, hein.
Ah non, c'était peut-être une autre en fait. Je suis peut-être tombée sur un nid à araignée. On est arrivé à la maison. Oh, regardez toute la nourriture qu'il y a. Je crois qu'il y a une araignée avec nous. Je crois qu'il y a une grosse araignée. J'ai juste vu une patte, hein. Alors, on est d'accord que j'ai pas peur des araignées. Mais celles qui font 6 fois ma taille, quand même, hein. On va faire le tour de la maison pour voir s'il n'y a pas un endroit où on peut rentrer dedans à un moment donné. Une prise électrique. Apparemment, il y, aura un truc à faire ici parce que regardez, on voit comme un chemin. Est-ce que on peut monter sur la prise électrique? Je crois qu'on va mourir. Je crois qu'on va mourir. Je crois que c'est pour le late game ici, hein. C'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant tout de suite. Vu les araignées, c'est pas pour maintenant tout de suite. Je crois pas qu'on pourra faire le saut là. Hein. Je crois pas qu'on fera le saut jusque là. Il manque pas grand chose. Il nous manquait pas grand chose. Misadventure. Respawn. Ouais, respawn, mais il nous reste 1 minute 30. Donc le saut de l'ange, si. Je crois. S'il y a quelque chose que vous avez envie qu'on teste. Bon là par contre on va avoir, malheureusement on va avoir fini la deuxième 30 minutes mais on peut réanalyser des trucs là maintenant. Ah on peut réanalyser 3 trucs. Ok d'accord. Bon alors là, par contre il y a beaucoup d'araignées hein, pour qu'on en tue une ça va être un peu chaud. Attends, toi. Oh, attends une fois. Reviens. Ce qu'il est. Est-ce que, par exemple, ça... Combien de temps il me reste? Je t'ai entendu. T'es où? Ah, attends. Toi. Mince. On n'aura peut-être pas le temps. Attendez, je veux... Je veux essayer de voir les... Ah non, on peut pas analyser. Ok, je voulais analyser la viande qu'il nous donne. Ah! Alors, si on en tue un, une, il y a tout le monde qui nous, qui nous tourne dessus. Mais ça, c'est logique, c'est normal. Ah! Il sera dans le X. Le Xbox Pass? J'ai vu ça, en fait. Il sera dans le Xbox Game Pass. Oh, c'est trop bien, en fait. Mais c'est trop génial. Il sera pas très très cher pour nous. Si jamais il est sur le Xbox Game Pass PC. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gens? Du jeu. Ça mignon. Perso, je kiffe. Ah, et moi, franchement, j'adore. Je suis juste... Ah, mais... Ah non, je suis trop... Mais je suis trop dégoûtée, en fait, que le jeu... Que le jeu soit... Une demi-heure, c'est trop court, quoi. Il est vraiment trop court, je trouve. La DA est sympa. Il est facile à prendre en main. On n'a eu aucun souci sur, sur le jeu de bug ou quoi que ce soit. Encore, et pourtant c'est une démo, donc ça aurait pu. Il n'a pas crashé. L'idée est super originale. Tout à fait. Maintenant, on a un peu téléporté là sans savoir pourquoi
J'imagine que là, c'est pour la démo, hein, on aura peut-être des explications. Ah, regardez, elle a un arc, hein, donc il y a bien moyen de faire un arc dans le jeu. Peut-être en analysant, en faisant quelque chose, ou... À mon avis, c'est dans l'analyse. Parce que la hache, on l'a dans l'analyse, donc à mon avis... Point de vue craft, il a l'air sympa aussi. C'est des trucs assez originaux. Il faut trouver les items pour pouvoir apprendre à crafter et autres. Donc à voir. L'histoire a l'air d'être pas mal, assez facile à prendre en main et assez facile à comprendre. Hein. Au final, tu vois, il y a une feuille devant, ben, tu sais que tu dois couper l'arbre. C'est pas non plus un jeu qui te prend 50 milliards d'années. T'as apparemment des différences de mobs. De difficultés avec les petites mythes et puis après les grosses araignées, t'as l'air d'avoir différentes zones. On peut aller dans l'eau, j'imagine, vu qu'ils ont vraiment travaillé tout ce qui est dans l'eau et tout ça, j'imagine qu'on pourra aller dans l'eau à un moment donné, qu'il y aura peut-être des trucs à récupérer dans l'eau. Donc à voir. Je suppose que le multi sera de la coop 4 joueurs, je pense aussi. Tu as les 4 personnages du début là et. Par contre, le multiplayer est pas accessible. Non, il n'y a que du single player. Sinon, j'aurais dit, on peut peut-être essayer. À mon avis, t'as les 4 là. Et tu pourras pas jouer à plus que 4. Par contre, ici, il y a des différents scénarios, apparemment. Il va y avoir différents scénarios. Ce qui pourrait dire qu'on va avoir un jeu qui va être un peu plus... qui va être long sur la durée. Donc, à voir, à voir. Franchement, il m'a vraiment. Franchement, c'est une bonne démo. Elle m'a vraiment tellement donné envie de d'y jouer et de la voir. Par contre, il faudra attendre encore le 28 juillet. Oh, le 28 juillet, c'est loin. Je suis contente parce que c'était un des jeux que j'attendais de 2020 avec Settlers. Et il y a des démos comme ça où tu les fais, tu te dis ouais. Tu te dis. Ça m'en dit pas vraiment plus. Je pense à la démo, mais justement de Summer in Mana, Mara, tu te dis, c'est un tuto, ben, basiquement un tuto. Là, t'es pas vraiment sur un tuto, t'es vraiment lancé dans l'histoire et ça te donne une bonne idée du jeu. Tandis que Summer in Mara, ben, au final, on n'a rien à approcher. Donc, je trouve la démo super agréable, super sympa. Et le fait que tu puisses la rejouer, parce que oui, c'est du 30 minutes, mais au final, si tu as envie de faire 5-6 fois 30 minutes, ben, tu peux y aller, tu peux te le faire. L'histoire, bon, ben, elle est limitée dans le temps, mais ça c'est normal, ils ne peuvent pas te donner toute l'histoire à faire, parce que sinon, ben, tu t'arrêtes pas là. Ouais, je suis assez satisfaite, assez émue, non, comment est-ce qu'on dit conquise, je suis assez conquise. Par ça. Coucou Salorium, comment vas-tu? La démo est une pratique que l'on croyait révolue. Ouais, et regarde, pour le moment, on a quasi que des démos qui sortent. On est quoi sur la troisième démo qu'on fait en une semaine? Mais on peut tester la démo nous aussi. Oui, tu vas sur Steam et tu peux la DL. C'est une démo 30 minutes pour tout le monde. De toute façon, c'est là-bas que j'étais la chercher. C'est une démo de 30 minutes, il y a bien quelqu'un qui va mettre un mono qui va remettre le lien si jamais ça vous intéresse. N'oubliez pas de le mettre dans votre liste de jeux à suivre. Et apparemment, si j'ai bien vu, en fin de game, il sera sur le Microsoft, le Xbox Game Pass. Oh! Oh, trop fort! Donc en fait, pour ceux qui ont peur des araignées, vous pouvez en fait, à la place d'avoir la grosse araignée, vous pouvez vous dire oh, j'ai peur, et donc vous pouvez choisir d'avoir juste, voilà, ça. Vous pouvez avoir deux grosses boules blanches qui vous courent après. Par contre, ça ne change absolument rien à la difficulté du jeu. Je trouve ça super sympa qu'il propose ce genre de choses. On peut déjà changer les touches, on peut déjà changer le son, c'est pas mal. On peut changer les gammas. Pour les streamers, en général, c'est pas mal ce genre de choses. Franchement, je te trouve super sympa.
Super sympa. Un peu comme Gambis qui est en démo sur Steam qui s'appelle Party Animal, je ne connais pas. Ouais, super sympa je trouve. Parce que c'est vrai, allez, tu peux avoir peur et bah, au final, t'as juste un bonhomme de neige. T'as un bonhomme de neige qui te court après et tu te dis bon. bon. Would like to apply them? Non, s'il te plaît. Et ben voilà, les gens, je propose qu'on arrête la démo là-dessus.